Koundara est le trait d'union de la République de Guinée et les autres pays de la sous-région. Mais il est inadmissible de comprendre que jusqu'en 2022, un fils de Koundara peut être victime à cause de son nom de famille, peut être refusé d'avoir accès à une carte d'identité ou à un passeport à cause de son nom de famille. Donc c'est partant de toutes ces préoccupations, on s'est donné les mains, on a dit ok, nous allons ensemble participer au développement de la préfecture en misant sur l'opportunité qui nous est offerte. Et cette opportunité, c'est quoi? C'est la diversité ethnique qui se trouve à Koundara. Donc nous sommes à la troisième édition et nous vous annonçons les couleurs de la troisième édition du Festival des Arts de Badiar, organisé par l'ONG Propice. Donc cette année, nous avons un paquet d'activités que nous avons prévues. Et ce paquet d'activités se structure comme suit. Nous avons prévu le Badiar Cycliste Tour, une compétition sur le vélo qui sera faite avec la Fédération de cyclisme, un carnaval de la paix, des panels sur des thématiques pour des jeunes, des prestations folkloriques des communautés, des prestations artistiques, la lutte traditionnelle, également un bootcamp des jeunes filles sur l'hygiène menstruelle. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à venir prendre part, à nous accompagner, à ressortir les valeurs culturelles qui sont très authentiques, qui existent à Koundara. Nous avons des communautés qui ont des valeurs culturelles qui sont très riches, qui sont diversifiées, mais qui ont besoin de projecteurs, qui ont besoin de visibilité. Ces communautés ont besoin de l'appui de tous. Ces communautés ont envie aujourd'hui de mettre en valeur, de mettre en pratique leur culture, l'authenticité de leur culture à la disposition du monde. Koundara regorge aujourd'hui des potentialités très riches que nous pourrons tous explorer. À travers le Festival des Arts du Badiar, on a pu comprendre que nous avons la possibilité d'aller à Koundara et vivre comme si on avait le résumé de la Guinée. Malheureusement, cela était méconnu. Beaucoup de gens ne savaient pas que cela était possible sur place. Donc à date, à travers ce festival, on a réussi à mettre en place un commissariat général qui est en train de piloter les activités du FESTAB, entendu par le Festival des Arts du Badiar. Donc cette édition va se dérouler du 14 au 21 décembre. Et du 14 au 21 décembre, pendant 8 jours calendaires, plusieurs activités sont prévues. Nous avons nos artistes qui sont à côté de nous, qui sont aussi de Koundara, qui s'impliquent depuis les premières éditions pour la vulgarisation de cette idée et qui sont disposés à être à nos côtés constamment pour défendre cette idée que nous estimons qu'elle est noble. Comme on l'a dit, lors de notre première édition, on avait pensé comme Franck Fanon, chaque génération dans une relative opacité doit prendre sa responsabilité. Donc nous on croit, certains de nos parents ont été victimes. La deuxième édition, on a eu quelqu'un qui a témoigné ici, avoir fait la prison, la maison centrale à cause de son nom de famille. Nous sommes à la troisième édition. Lorsqu'on était en train de discuter le festival à Koundara, à la même période, on était appelé par endroit pour dire que certains de nos frères sont aussi victimes de la même sorte. On les refuse les cartes d'identité parce que simplement le nom de famille n'est pas connu. On ne sait pas si nos grands-pères, si nos arrière-parents ont été victimes. Mais nous, en tant que jeunes, nous avons décidé de prendre nos destins en main. Et nous voulons le faire en utilisant la culture comme un aspect, comme un vecteur de développement durable. Et nous croyons que la diversité culturelle est une opportunité et non un obstacle. Ceci étant, il est intéressant à ce que chacun de nous, hommes de médias, amateurs de la culture, administrateurs, on s'implique activement pour ressortir cette valeur culturelle qui existe.